Je voudrais cependant rassurer l'ensemble des Burkinabés que jamais nous ne trahirons la cause pour laquelle nous nous sommes engagés. Ce qui est en jeu est beaucoup plus important que nos petites personnes. Peuple du Burkina Faso, il était absolument nécessaire, au cours de ces 2 mois écoulés, d'asseoir un minimum de cohérence interne de l'administration centrale, tout comme il était capital de rassembler les Burkinabés autour d'organes et d'instances consensuelles pour faire de l'œuvre de refondation une construction collective. C'est dans ce sens que se sont tenues les assises nationales qui ont abouti à l'adoption d'une charte de la transition, d'une charte des valeurs et d'un agenda de la transition. L'installation de l'Assemblée législative de transition et la mise en place d'un gouvernement étaient un pan important de ce processus. La durée de la transition décidée de façon consensuelle par l'ensemble des forces vives de notre nation, tient compte d'une réalité qui est la seule vraie préoccupation du peuple burkinabé actuellement, à savoir la situation sécuritaire. Plus vite nous arriverons à juguler cette situation et plus vite nous amorcerons un retour à un ordre constitutionnel normal.